Hey. Et aujourd'hui on se trouve sur Outlast. Alors en fait la vérité c'est que j'avais prévu une autre intro mais que je n'ai jamais retrouvée. En fait je l'avais fait avec mon téléphone et c'était, je crois que c'est supprimé. Bref, je n'ai pas l'intro. Et du coup voilà, j'ai fait la première partie de Outlast avec Romain alias Lazix. Il faut vous dire qu'il il s'est chié dessus pendant toute une semaine pour ce jeu. Finalement on l'a fait, franchement vous allez voir c'est assez marrant. Il s'est un peu chié dessus, mais on sent qu'à la fin il a un peu plus la confiance, qu'il a juste envie de rusher et tout. Donc franchement c'était assez stylé. Vous avez bien vu que la vidéo c'est les deux génies d'Outlast. Vous allez voir à quel point on est des génies d'Outlast, franchement. Vous imaginez pas le temps que j'ai passé à faire du montage juste parce qu'on a perdu bien 40 minutes dans un truc qu'on a pu régler en 5 minutes. Mais bon, je vais pas vous spoiler, visionnez seulement. Bon, le visionnage, je vais juste vous dire que vous allez entendre plus la voix de Lazix plus que la mienne parce que un souci de micro visiblement, c'est assez compliqué d'avoir nos deux micros. Là, ça allait le faire mais du coup pas trop, donc vous attendez ma voix un peu plus bas que celle de Romain parce qu'en fait ma voix passera sur le micro de Romain, donc c'est normal, vous inquiétez pas, mais c'est pas très grave parce que de toute façon le principal c'est qu'on ait la voix de Lazix et pas forcément la mienne. Bon visionnage. Mec, je peux pas me défendre, je peux rien, je peux genre que me cacher. Hein? Je peux que me cacher, je peux pas me défendre, rien, des trucs du style. Putain, fais chier. Je peux pas faire des vidéos sur des trucs hein, genre les Sims ou. Les Sims, Mario, c'est bien Mario Party. J'ai pas de notes, j'ai pas de documents, voilà. Oh, on rentre. Vas-y. T'y bague. Ah, c'est vénère. Étant actif, vous pouvez zoomer à l'aide de. Ok. Moi, ce jeu m'a appris que les piles sur une caméra étaient très importantes. Oh. Ouais. Allez, moi j'ai joué. J'ai joué à Mirror's Edge, mec. Moi, je connais ça. Hein. Putain, moi, je sais que moi, j'ai pas kiffé ce jeu. Ah, j'adore. Ah, le bruit, il est horrible. C'est bon, il a faim, le gars. Oh, ça ou le bruit. C'est quelle fenêtre, c'est là. Ah, mais c'est. En fait, ce jeu il est basé sur les jumpscares. Oui. Tu pouvais pas faire une vidéo sur Call of avec toi comme Eva et puis Bon bah, allons à droite hein. Là y'a le gros normalement. Ça, je me rappelle, y'a le gros. Le monstre qui, ouais. Qui nous pète la gueule, ouais. Putain. Fils de pute. Ah, faut que tu rentres, putain. Finalement, il y a une meuf pendue. Le mec, ouais, il se voit, voilà. Non, il y a. Ça, c'était la tête du mec d'avant. Non, le pire, c'est. Maintenant. Ouais. Il a bougé. Voilà. Ah, mais c'est un flic. Ah, c'est un flic. Ah, bah, c'est un. Oh, c'est toutes les têtes des flics derrière. Oh, oh putain. Je dois le suivre là-dedans. Oh, c'est fermé. Non, je crois que quand tu vas aller là-bas, tu vas te faire défoncer. Ah oui, c'est là où je me fais pousser par la fenêtre. Exactement. Oh, sale pute. Ah ouais, il est fat. Il y a le même sur Outlast, mec. Sur Call of, mec. En zombie, mec. Ah, moi j'ai même pas joué aux zombies de. Ah, c'est quoi, c'est pas le prêtre ou je sais pas quoi là. Le mec, il va dire que. Je... Ouais, voilà, c'est le prêtre. Putain, y'a Hitman, mec. On va abuser. Putain, y'a Hitman, mec. Mais. Techniquement, c'est pas des monstres, c'est juste des fous. Bon, le mec était bien fat, mais ah, lui il est chelou. Lui, mais je fais rien pour l'instant. Ouais. C'est bon. À la fin qu'il fait quelque chose. Putain, on dirait les zombies dans Je suis une légende. Légende, putain, ouais. Légende. Légende. Et là. Et le mec chelou qui regarde la télé pendant 3 heures. Et il fait rien lui. Ouais, pour l'instant non. Mais. Oh putain, c'est quoi ce gars. I'm a On dirait Gollum Fœtus, mec. J'avoue. Le mec non, c'est juste seulement le mec en chaise roulante qui. Non, dans l'autre sens, dans l'autre sens. Je veux pas de ce côté. Au revoir. Allez, au revoir. Fils de. Putain, c'est lui là. Lui, il fait un truc chelou. Ouais. Fils de pute. Tu veux que je t'arrache quoi? Ah, le gastro à nouveau. Bonjour. Alors. Oh. Witness me. Chut, putain. T'es pas obligé de.
T'es pas obligé de claquer. Et là fuck ce jeu, putain. Ah. Ah. Et une mopette. Non. Mais putain, mais. Ah, c'est là voilà. Aller. Par contre, je crois qu'il y a le mec qui va venir te chercher après. Oui, c'est là où je dois me planquer, non? Pas encore, mais. Ah, faut que je dise, Luc. Et petite partie de League of Legends. J'avoue. En fait. Tu vois, qui est marqué bien café, c'est le cas aussi. Coffee. Putain, c'est long, mec. On dirait le téléchargement de Fortnite sur PC. Gage à droite! Mais c'est le prêtre? Ouais. Fils de pute. C'est pas le pire sur Outlast, c'est que tu peux pas te battre. Ouais. Soit dans tes vies, ouais. Tu peux quand même te battre. Ouais. C'est ça le pire. T'as même pas le flingue pour tirer, rien. Ah, t'as rien. Même, ça, même la caméra, tu peux pas exploser contre Last of Us, ça fout les boules, mais au moins tu peux te battre. Allez, dans Peg. Tu dois. Je dois activer faut... ça. Hein. Ouais, non, faut les disjoncteurs d'abord. Par contre, faut que tu te bouges parce que le mec il est autour. Non, là il est pas allumé. Ça, c'est à la fin que tu vas faire ça. Faut activer les deux pompes. Faut que t'allumes ça. Et là, faut que tu caches derrière le cache ça ne te fera pas normalement. Mais rond, quand même. Il lui a essayé de défoncer ta porte. C'est bon, je peux continuer là? Non, non, tu vas pas. Fils de pute! Mais il va avant rentrer? Oui, il va rentrer, ouais. Il va rentrer, il est rentré dans la pièce vraiment. Ah, mais c'est le prêtre! Je croyais que c'était le gros maçon. Je croyais que c'était Hodo. Mais mec, t'es ouf toi, mec. Oh, fils de pute! Je t'avais dit, hein. T'es mort, mec. Salut! Cours, putain! Oh! Putain, je sais pas que vous pouvez échapper. Oh, t'es mort, mec. Non, je suis pas là, je suis pas là. Oh, joli! T'es serein, toi? Chut. Cours! Non, je peux pas la plus de porte, mec! Allez, barre-toi! Voilà, faut que tu ouvres là au milieu! Ah! À droite, là! Ah! Appuie! Non! Ah non. Le il est où? Faut pas que tu bouges, pas que tu bouges. Putain, j'ai vu, t'as géré, mec! Marco! Polo! Ah, ça va être fermé là. Ah, si, je suis venu ici. Il y a trop de piles, ça cache quelque chose. Putain, mec, c'est trop violent. Ah. Ah, il arrive. Il casse la porte. Et nous, on boit. Cette vidéo est sponsorisée par Super Solus ainsi que Coca-Cola et Coca-Cola Zero. Donc maintenant, il faut juste activer la pompe principale. Non, il fallait tout droit, je suis sûr qu'il y en a une autre à faire encore. Porte en fait. Je crois qu'il faut qu'il casse l'autre porte. Ah merde, je devais fermer celle-là. Ouais, mais si je la ferme maintenant, je me fais. S'il vient jusqu'à toi, mec, t'es mort. Piste de pute. Casse-toi. La porte est. Non, il va défoncer. Non. Ciao. Ah t'es à un poil de cul, mon pote. T'as la magie du montage, j'ai l'impression que ça fait 5 minutes, mais ça fait genre bien une demi-heure qu'on est déjà dessus. Je dis, c'est là. Putain, il est là. Mais toi, il va te défoncer là. Putain, non, je suis pas là. Je suis pas là. Fils de pute. Mais t'es toujours là, mec! T'es relou! Mec, y'a des yeux qui brillent, mec!
sûr, ça... Va ailleurs, putain. Eh, je peux tenter, puis me cacher dans l'autre. Putain, il a ouvert le casier à côté. Il va ouvrir celui-là, il va ouvrir celui-là, il va ouvrir celui-là. Ah, oh, ça va. Tu sais, c'est des clichés d'horreur, hein. Il ouvre toujours le même casier. Putain, une nuit, il ferme ta gueule. Non, mais c'est pas moi. Oh, oh, je t'esquive. Oh, je t'esquive. Mais non, mais c'est pas moi, mec, il s'est fait ça tout seul. Il a défoncé ici à nouveau, hein. Il a défoncé avant. Non, non, avant, j'avais pas fermé. Oui, mais là, il va quand même venir jusque là. Tu crois? Ça se trouve pas, hein. Ça se trouve pas, hein. Regarde, il me voit pas, il me voit pas. Non, du tout. Il me voit pas. Il est où? Il est parti à gauche, parti à gauche. Non, je suis sûr, il est à droite. Tu vois, regarde, il est à gauche. Oh, fils de pute! Ça marche pas là. Je pouvais juste pas l'activer s'il me court ça, je crois. Oh putain, c'est une carotte. Non, parce que t'as... Si. Allumé le machin, mais t'as pas retenté après. Si, je crois, quand je vous ai coursé, mais je suis pas sûr. T'as pas retenté. Putain. T'as pas retenté. On a regardé l'électricité. Après, on s'est planqué tout le long. Fils de pute. Ah putain, ça fait 40. Mais rentre là-dedans, 40 toi. Minutes qu'on est là-dessus alors que vous avez juste appuyé. Tu peux pas rentrer là-dedans? Bureau de sécurité, peut-être, non? Oui, mon dieu. On avait essayé, c'est vrai que oui, mais on pouvait pas parce qu'il avait éteint la lumière. Ah ouais, voilà. Voilà. Fils de pute, mais va te faire foutre! Voilà, 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 je me fais droguer, je vais me faire vendre en Thaïlande, putain, je vais perdre un rein! Oh, y'a le SAS, RS, ce truc là! Oh putain! Ce qu'il s'est pris! Regarde, il se fait tirer, mec! What? Ah, y'a des trucs paranormaux quand même! Ils ont pris trop cher! En tout cas, notre soutien est bien là. Soutien aux victimes? Et à leur famille? Je suis Outlast. Je suis l'Outlast. Oh! Putain, on a quand même passé 40 minutes. Ah, faut que je t'appuie sur le bouton, quoi. Seigneur. T'as pas de caméra? Grosse cachette! Y'a un putain de lit! Bah, donc c'est mieux que se cacher à côté de la porte comme tu faisais avant. En mode non, il me verra pas parce que j'ai fermé la porte. C'est la meilleure excuse du siècle, mec. Que la porte soit fermée ou pas, il va quand même te choper, hein. Puis maintenant, t'as la caméra ou pas? Le mec il est chou, hein, parce que le mec il l'a emprisonné, il l'a drogué, mais il a quand même sa caméra. Je sais pas. Fils de pute. Grosse cachette. Tu sais, c'est vrai que j'ai jamais compris les trucs des soirs là. C'était... Hein. Salut toi. Ah, il est trop chou. Maybe. He looks nervous. I like to kill him. Ouais, moi aussi je t'aime. Oh. Mais t'en fous là. Y'a un mec aux chaises roulantes. Il est du coin. Oh, fils de pute! Hello! Ça, toi, je t'ai déjà vu. Eh non, mais arrête! C'est pas bien de faire ça! Méchant de vie! Méchant de vie! Salut! Salut, Yamato! Salut! T-bag, T-bag, T-bag! J'ai pas essayé cette porte. Ah! On reconnaît notre pote, Dobby! Putain, mais j'ai fait toutes les portes là! Arrête, toi, tu fais mal à la tête! Ah, ici, on n'a pas été. Y'a un trou. Y'a un trou. Je crois qu'il y a un mec qui t'écoute.
What the fuck? Salut. Fils de pute. C'est bon, il a pas de droit. C'est moi qui mets des coups de boule. On the way. J'ai les traces de sang. Ah. Je vais me faire décontaminer. C'est lui comme décontaminer. Va falloir que je change mes piles bientôt. Oui, non, mais ça suffit. Ah, et des piles ? Ouais, ah, ça c'était grillé, mais à des kilomètres. Ça c'est mon côté Last of Us, tu vois, dans Last of Us, faut tout fouiller. La femme est perdue à vous, un tir poursuivant. Putain, quand ils le disent maintenant, ça pue, hein. Putain, mais calme-toi, mec. Qu'est-ce qu'il y a ? Putain, le gars, il est venu diquer des tétarans en fait, hein. Ah, je suis pas les français, mec. Oh ! Rigole pas. Ah, on pourrait les regarder, mec. J'ai pas envie qu'il me voit, mec. Pendant, il est pudique. Ah, oh, fils de pute, lui, rigole pas, hein. Je viens pas, oh, c'est bon. Pendant, il court pas. Non. Je peux pas. Je pas, mec. Non, mais je vais juste passer là. Ah, il y a des piles. Putain. Le mec, sa survie, il la doit à des piles, hein, quand même. Hein. Cette vidéo est sponsorisée par Duracell. Les piles sont sans une vidéo. Les piles durent plus longtemps avec Duracell. Pas le temps. Non, lui il est pas content. Oh putain, mais vas-y. Je suis trop blasé là. C'était où le casier? Fermez. T'as le mec qui te dit ferme la porte. Non, pour ralentir. Mais là ça sert à rien. You little whore! Attends, t'as compris ce qu'il a dit là? On a entendu. Il a dit I'll find you little whore. Tu vois, il est plus là. Vas-y, go. Il va sûrement revenir un moment. Et là, tu t'enfermes avec lui, mais. Pire point ever. Ah! Tut! Ah, je me suis rouvert les portes. Ouais. Et non pas les veines. Non, à la gauche. Ah oui. Si, c'est deux mecs qui parlaient avant. C'est Fred et Georges. C'est moi ou vous êtes à poil, les gars? Et vous êtes à poil, les gars, à part ça, hein? Putain, y'a une grosse bite, mec! Y'a une grosse bite, mec! Regarde, mec! What the fuck? Ah, bah voilà, putain! Saleté! Allez! Il court, le furet du bois joli! Ah non, pas bon, d'accord. T'as dû pas regarder cette carte, une bonne fin pour toutes? Là, y'a un mec. Oh. Je peux me cacher là-dedans? Non, mais à gauche, il y a un truc qui brille là. Il y a un truc à gauche qui brille, ça. Ah non, c'est juste la lumière. Ah non, y'a rien. Sortez par les douches. Fils de pute, y'a l'orage maintenant. Ça, c'est vraiment petit. Ah! Mais il a une bande, grosse pute, hein. Je dois me cacher de lui? Ah! Oh, t'as one shot! Ah bah oui, ils ont des machettes, ils m'ont one shot. Ah. Putain, son con, c'est mon souci quand même. Oh mon dieu, elle a disparu. Mais en même temps, ils sont à moitié à poil, mec. Enfin, entièrement à poil. Bien sûr qu'ils sont cons. Mais pas les... Regardez dans cette salle. Non. C'est une cellule. Même quand il prend les notes, c'est violent, mec. Piste, putain, j'ai cru que c'était un screamer. Un screamer. Ah voilà. Oh putain. C'est la seule fois où le jeu nous aide. Je suis même pas retourné, moi j'ai pas attendu, hein. C'est par où? J'imagine par là. Attends, on me défaisait quelque chose, je sais pas quoi. Oh! Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Lui, moi j'aide pas par contre. Si la porte avait fermé, t'es mort, mec. Ouais, je suis pas allé du bon côté. Non, je peux pas rentrer. Oh, c'est fait, ok. C'est moi, il s'est planté le bide. Ah, il s'est fait amorti par un tas de cadavres. Ah, le caméscope. Attaque toujours. Et là, il va prendre un truc dans la gueule, c'est sûr. Non, c'est tous les cadavres, ça.
courir notre chemin, maintenant on douche. No shit, Sherlock. Voilà, ça, ça va être le stress. Ah, c'est bon. Il fait comme Chopper sur The Watch, mec. Fils de pute. Ok. Oh putain. D'accord. Oui, je suis ton ami. The fuck. C'est le mec dans Mortal Kombat. Ouais. Regarde, ça putain. Vous faites beaucoup de bruit, les gens. Wow. Oh, ce qu'il lui a mis. One Punch Man. Il a fait une corniche. Alors voilà, là va falloir aller sur la corniche. Et là l'enculé il va me choper le coup. Non. Pan. Bon, droite ou gauche? Allez, droite. Oh, j'en ai dit comme ça. C'est trop chelou, ça. Ouais, ça pue pas, moi. Trouver une issue permettant de quitter les égouts. On déconne, on va finir en classe comme ça aujourd'hui. Non, mais mec, je sais pas où l'on est à part ça. Évacuer l'eau en actionnant les deux. Trop lourd. Putain, ouais, d'accord. Ah, oh, et puis il va falloir courir et tout, parce qu'il y aura un filial fils de pute de gros. Ah bah c'est pas bon, non. Faut me planquer là-dessus. Ah, c'est bon. A besoin de mourir, mec. Et de une. Je sais pas où elle est l'autre par contre de van. Sûrement chez Thomas. Hydrone. Regardez de toute façon. T'as des cas. Regarde. Vider. Elle va venir parce qu'il a entendu du bruit. Il arrive. Ensuite t'arrives, tu fais un slide entre ses jambes. Et tu cours. Tu cours. Non, pas celle-là, pas celle-là. Fils de pute. La porte. Fils de pute, mec. Cours. Mais je fais ce que je peux. Je vois rien. T'avais fait ouvrir la porte, bazar. Ouais, mais c'était pas exprès, je pense. Là, faut que tu rejoignes l'échelle. Pour l'instant, j'aimerais me cacher de lui. Vous le jouez en droit, quoi. Ouais, s'il passe, j'ai le tour en fait. Ouais, il m'a perdu ça. Le mec. C'est juste pour se cacher. Putain, je dois faire quoi? Bon, voilà. La jonction inférieure, elle est là. On profite pour changer les piles. Et on y va. C'est les pingues qui t'attendent, mec. Il regarde. C'est discret, hein. Mais c'est vrai, on a pas vu une seule fille. Non, que des queues, c'est bien chiant. Fils de pute. Ça pue, hein. Sauvegarde, ça pue, hein. Vas-y, monte. Hop. Hop. Le mec il se motive un peu, hein. Hop. On voit le moins ou moins bien, hein, n'est-ce pas? Ouais, c'est chelou. C'est moi, y'a le mec en face. Ouais, t'entends la chaîne ou pas? T'entends la chaîne ou pas? Il est à côté de toi. Bah ouais, bah je nage, tu veux que je fasse quoi? Je peux pas baisser les vannes là? Ah, je crois que t'es entendu, hein. Pas sûr, mais. Mais monte! Moi je regarde pas derrière moi. Hein. On voit rien de toute façon. On voit rien? Ah si, bah on voit. Une trace, une time trace, je vais mourir. Par contre, il y a pas très vite au stop. Hein. Si y a un gros, il a plus que nous dans l'eau. Oh, lui, il va pas là. C'est ce moment-là qu'il est. Incroyable. Oh, je vais falloir se cacher. Putain! Et one shot, non, même pas? Non, c'est pas oh, celui qui. Oh, il s'est fait brain! C'est pas celui qui one shot ça. Oh là là, Voldemort, il s'est fait brain! Putain, vas-y, que ça passe. Ah putain. Mais oui, mais get back! On dirait Ricard, mec, on voit plus rien, mec. Je sais pas où me cacher, moi. Il va être brain. Par contre, la génération est encore pire que sur code, hein. D'accord. Le mec, à nouveau, avec. Le mec, il y a de la lumière, mec. Regarde. C'est la rivière rouge, mec, on dirait la fin de Star Wars.
Moi je te course mec, viens ici. Moi je te course mec. Vas-y, fais-toi le malin, mec. Nous on défonce maintenant mec. On sera le coup de s'en dépêcher mec. Ah là. Putain. Oh. Il y a tout le sang mec, il, c'est sûr, je sais pas, une petite B. Mec. Ah oui, c'est sûr. Mec, il survit, il meurt 2 mois plus tard des petites B. Quelle France. Vous savez qui vous avez ici là. Le prêtre mec. Jimmy. Non. Par contre, il a avec un matériel qui. Ça va mec. Vas-y, pousse putain. Oh, vite. Et il a avec un matériel, putain, mais mec, il. Non, c'est vrai que. Allez, tiens mon pote, bon courage. Allez. La mort et les impôts, mec. Je perçois l'impôt pour César. Waouh. Wow. C'était le cours de biologie. T'es pas à moitié de temps, là. Allez. Le Wild Rider. Il est moitié de corps, il est d'accord. Ouais. En fait, tu fais courir dans tout le long, quoi, dans ce jeu. Bah, c'est bien, non. C'est le numéro Edge Outlast, mec. C'est lui. Ah, on arrive au début. Enfin, c'est mieux. Yo! Oh, il m'a loupé. Oh, il est nul! Il est nul! Oh, il est bonne bombe, son gars. Putain, Romain, mec, il est loin. Ouais, mais j'étais Mirror Zad, ça m'a trop aidé, mais je sais pas tout regarder maintenant. C'est bon, parce que moi, je suis mort 10 fois. Quoi? Vas-y, remove charge là! Ça s'arrêtera là! What was that, mec? Oh putain! What? Allez, voilà! On s'est fait déchirer! Oh, ce qu'il m'a mis! You're that bullshit priest's guy, aren't you? Ça donne une pause, c'est une bonne idée! Let's take a break, huh, buddy? You'll do martini lunch? Have a little confab. Bien, pour le temps qu'on. Pour le temps que c'est pas nous qui devons bouger, mec. On va où comme ça? Au début du jeu. On va à Disneyland? Vas-y, la sortie, mets-moi dehors là. Go ahead, I'll wait here. Go on, run free! I'm in no hurry. No? Nose to the grindstone, I like that. Okay then. Oh, I wouldn't shake me. I'm not any use anyway. Frizzy told I was just tired of looking my own scans. Ah, j'ai une petite chambre perso. Putain, elle est étroite, hein, mec. Hein. Je suis sûr, le gros qui m'attend dedans, mec. Ah, la caméra, hein. Il va me filmer. Ouh, t'as un beau boule, mec. J'avoue, mec. J'ai une trop de boule, j'ai une trop de boule. Ah bah t'en fais mes armes. C'était mon arme. Jamie, mais... Ah, il a coupé les doigts. J'ai plus de doigts. Comment on fait pour filmer après? J'ai plus de doigts. Ah non, elle a quand même 4 doigts. La caméra, le gars, il pense à la caméra avant tout, hein. Et à la fin, il perd la caméra. Mais... Ah non, elle a tous ses doigts, tu vois, il lui manque quelques doigts. Ouais, il en manque 2. C'est le signe de Jeff Hardy à côté. T'as enfin un QTE, mec. Fais quelque chose. Oh, je suis libre. Et il va penser à prendre la caméra, bien sûr. Oh, ce serait con d'avoir fait tout ça, mec, et pas filmé, quoi. Tu perds du sang. Oh.
Ah putain, on dirait Raph en soirée, mec. Ingrid. Dédicace. Dédicace à Ingrid au Moulin Rouge. Après presque 2 heures de gameplay, on a fait. Au fond, on a fait plus de la moitié à part ça, hein, du jeu à part ça. Mais je crois qu'il reste un épisode et puis. Non, je pense qu'à part ça, le prochain, on peut finir le jeu, je pense que. Bah oui. Les... Moi, finalement, on a resté pendant très longtemps. 2 morts. Ou 3. Non, plus quand même. Ah. Là, il y a eu. Le premier, c'est le mec qui t'a one shot. Avec la machette. C'est tout en fait. Après, il y a le gros en 2 coups, je crois. Ah oui, il y a le mec. En fait, t'es mort 2 fois en fait. Ouais. Putain, 2 heures, hein, parce que là, je suis arrivé. Qui fait mieux 14h, c'est 16h. Ça fait à peu près 2 heures de gameplay. On sent le mec qui est bien se marrer au montage. Oh putain, ouais. Et là, surtout sur les 40 minutes au début où j'ai galéré. Non, ça c'est ouf, ça c'était le pire. Le pire, c'est quand même savoir que. J'ai quand même tenté, je me suis dit, ça se trouve, ça marche. J'ai moins peur que je pensais. Ouais, franchement, bah ouais, avec un temps, avec les jours, c'est 4h d'après-midi, tranquille. C'est l'Azix et Killer sur Outlast. J'avoue, c'est stylé. Plus de 2 heures de gameplay intense, avec beaucoup de courses. C'était au final un rush. Random rush. On aura vu des tubs. J'avoue, putain. Deux billes. Deux billes. Beaucoup de placements de produits. Sponsorisés. Beaucoup de piles. Du coca. Et du fun. La vidéo. Abonnez-vous à la chaîne de Killer Gaming. Laissez un pouce bleu. Ciao. Ciao.